On verrait les yeux. Il est à moitié aveugle, il est handicapé, il ne sert à rien. Je me moque au hasard. Oui, c'est vrai. Répond Ibrahim, tout sourire, et nullement vexé. Voilà. Ibrahim, par 8 enfants, mère. Alors, mais un enfin, il y a un tien qui ont fui les techniques, mais n'ont plus rien. Pas un dinar, dit Wada, en claquant des bras. Et leur avenir paraît pour le moins compromis. Mais je disais ça, ils sont là, c'est bien sûr des leurs de parties féroces. Ils sont drôles, parfois de manière volontaire, et souvent de rire. Il y a celui-là, au complet, sans qu'aucun ne soit blessé, reste une miracle. Leur périple entamée dans la région de Mossoul en Irak a duré 2 mois. Il les a pris le 1er mars, après la bataille de Talwarak, un village du Kurdistan syrien perdu au milieu des champs de coton et de houblon. Et qui se défile, ils repartent sur l'un, zoom sur un autre. Cet après-midi au cas de Ridley Scott, le cinéaste britannique connaît un succès mondial avec Seul sur Mars qui sort en France mercredi prochain. C'est l'occasion de s'intéresser à la filmographie d'un cinéaste branché sur courant alternatif, soit génial, soit médiocre. Or, quand nous interrogerons sur le rapport entretenu par Hergé avec l'art, le créateur de Tintin qui fut influencé par les grands peintres Holbein le Jeune, Ingres ou encore Miro. Nous vous dirons également ce que valent les 2 BD événements de la rentrée, le nouveau...